Gon ti proverbe créole qui dit coup pour coup, bon Jerry. Eh bien, dans le dossier Jovenel Moïse là, dans l'émission que pral fait là, on pral comprendre que ça, son réalité li tout bon. Mario Antonio Palacios, Youn présumé assassin Jovenel Moïse, youn mercenaire colombien qui participait dans tout le président Jovenel Moïse. Dans le moment où on a parlé là, t'assemblé Palacios lui-même et t'assenté pas fin trop bon. T'assemblé pas fin potel trop bien. Avocat Mario Antonio Palacios, Antonio Izaguirre lui parlait et lui exposer un paquet d'éléments de formation que vous pral gen chance pour qu'on ait jodi an là. Lui évoquer dossier Palacios, lui expliquer quelques détails importants sous deux chefs d'accusation que pays États-Unis gagné contre Mario Antonio Palacios, et lui-même lui tout expliquer quelques démarches qui a tant mais là pour le protéger, pour le défendre droit client. Déjà, m'invitez au partager vidéo parce que là, on parle contre toute information, toute dernière détail, dans un petit moment. La primature prend décision pour retirer tout privilège Claude Joseph te gagne. Est-ce que Ariel Henry, qui c'est chef primature, est-ce que l'ICA fait en action comme ça? Parce que là, nous, Jovenelisio, yo fâché, yo estomaqué. Est-ce que décision ça, Ariel Henry prend, est-ce que légitime? Est-ce que c'est route la pouvrie pour une tentative assassinage, bagaille la palé là, Jean-Claude Joseph fait comprendre mieux, non seulement c'est intimidation, mais également c'est route la pouvrie pour une tentative assassinat. Déjà, m'a invité au préparer au nous pral répondre à toutes questions et nous pral ba ou tout détail dans un petit moment. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur plateforme Parolan. TAC 509 tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. Jodi an la, émission pral chaud. N'a continué avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. Nous pral parler de Mario Antonio Palacios, actuellement là. Il y a un paquet d'éléments de formation que un vocal bail sous dossier. Et également, tout, nous pourrons parler sous, et rumeurs qui ont circulé, et comme quoi, il y a tentative d'assassinat contre Claude Joseph. Dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick comme une voix, rien, pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Rapide, vite, bon, font un petit rappel pour nous sous Palacios. Mario Antonio Palacios, c'est un mercenaire colombien qui a participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021. Et bien actuellement là, Palacios s'y trouve dans la prison aux États-Unis. Et bien, il y a un avocat qui c'est Alfredo Izaguirre qui a défendu. C'est l'avocat de la défense. Maintenant, il y a un ensemble d'éléments de formation que l'avocat bail dans le cadre dossier, hein, que l'avocat bail dans le cadre de mise en accusation, audience qui a bien pour faire dans 9 jours encore là. Donc, toute information, ça, on vient partager la bonne façon pour toujours être connecté, pour toujours connaître qui a avancé, qui a fait dans le cadre dossier Jovenel Moïse. En Haïti, pourquoi il n'y a aucune inculpation officielle qui fait. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, malgré tes bons juges d'instruction sous dossier Jovenel Moïse dans le pays, nous t'es gagné Gary Aurélien qui travaille sous dossier, pas jamais une mise en accusation qui fait de manière officielle, y'a pourquoi jamais inculper au monde de manière officielle. Kounye yon ki sa gen, nou konnen États-Unis te prend dossier Jovenel Moïse en charge. C'est la kayo dossier a marché, yo fait plusieurs arrestations, yo mette moun en détention, etc. etc. Faut qu'on konnen ki sa ka passe, faut qu'on konnen comment dossier a évolué. Eh bien, nous avons une situation là, côté que, chronologie des faits, yo, nous prenons le présenter là, nous prenons aider à comprendre de qui côté dossier Mario Antonio Palacios, li sorti et dans qui position lié là avec avocat Alfredo Izaguirre. N'a pas rappelé nous première comparution et Mario Antonio Palacios, li fait 4 janvier 2022. 4 janvier 2022, juge fédéral là
juge fédéral Lisette Reed, li te tende, sa y premier fois yo te tende Mario Antonio Palacios dans cadre dossier Jovenel Moïse. Yo tende le 4 janvier premier comparution, yo ta pral bali rendez-vous 31 janvier pour yo faire mise en accusation. Étant donné que aux États-Unis, actuellement là, pas seulement aux États-Unis, dans tout le monde là, il y a un coronavirus qui a valé terrain. Avocat Mario Antonio Palacios, t'es venu trouver une situation côté que, li pas qu'à rencontrer avec Palacios, à un certain moment de la durée, Palacios t'es en isolement. Ou t'es obligé de mettre Palacios en isolement à cause du coronavirus. Mais, Palacios en isolement, avocat pas qu'à well, donc, entre avocat et Palacios, pas gué des moyens de défense, pas gué audition, y'a pas parlé vraiment. Donc, avocat, pourquoi bien imbu de dossier? Pourquoi qu'on a rien de dossier Jovenel Moïse? Parce que son avocat commis d'office, y'a pas Palacios, il pas de gué l'argent pour le payer avocat. Kounia, qui s'accrivait? Alfredo, qui c'est avocat Palacios, lui obligé de demander juge fédéral, là, un report. Et puis, report ça, y'a mettel pour 4 février. Kounia, le 4 février le date 4 février est arrivé, qui ça t'a pral fait? Yo t'a pral fait une lecture officielle de deux chefs d'accusation que États-Unis mettaient, que États-Unis reconnaissent Mario Antonio Palacios dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Et qui ça deux chefs d'accusation ça yo? Première accusation, États-Unis mettait sous dos Mario Antonio Palacios, et c'est une bagaille qui est extrêmement indigné avocat Palacios. Nous pouvons comprendre que, première charge, États-Unis retenu contre Palacios, il dit que Palacios lui participait dans faire conspiration en vue de commettre un meurtre ou enlèvement en dehors des États-Unis. Palacios t'y participé dans complot, Palacios t'y participé dans conspiration, soit pour te faire un kidnapping, ou bien pour te faire un assassinat en dehors des États-Unis. Et puis devant, nous pourrons rendre compte que tout complot, yo, toute préméditation, yo, tout ça que t'as planifié, yo, toute planification que t'as fait aux États-Unis. Puisque tout bagay sa yo, tout complot, tout projet a li monté États-Unis, li monté à travers CTU, li fait sous sol américain. Donc, États-Unis maintenant, par rapport avec doual gagné pour aller au-delà même de ses frontières pour poursuivre tout le monde qui t'est participé sous sol américain pour monter un projet, pour monter un complot, pour financer des projets et entre guillemets de terrorisme. Donc, li gagné obligation pour aller chercher moun sa yo, pour le juger, pour le condamner. C'est dans souci ça. Dans la loi, yo prend Palacios, Palacios te juge Jamaïque. Yo allé juge Jamaïque, yo fait tout parcours, yo arrivé mettre mes sous Palacios, yo rentré envers aux États-Unis. Kounyen, premier chef d'accusation ça, Alfredo Izaguirre qui c'est avocat Palacios, li estime que gen des moyens de défense, gen des éléments d'information que Palacios gagne à la disposition, gen des éléments d'information que Palacios gagne, li ka utiliser pour le défendre Palacios. Donc ça, on a vu une souligne après. Deuxième charge que le gouvernement fédéral américain a retenu contre Palacios, c'est le fait que Palacios lui fournit un soutien matériel qui aboutit avec la mort de Jovenel Moïse. Fourniture d'un soutien matériel ayant entraîné la mort. L'hypothèse concours, l'hypothèse assistance, l'aider dans le complot, l'aider dans le projet qui aboutit avec assassinat président Jovenel Moïse en Haïti. Maintenant, deux chefs d'accusation, ça y aux États-Unis, puisque Palacios a deux options. Soit Palacios li plaide coupable, c'est-à-dire li reconnaître que deux chefs d'accusation sa yo, li participe là-dedans, li participe dans complot, li participe dans projet, li bay participation matérielle, li bay un ensemble d'éléments qui convaincant qui dit genre oui et li participe dans complot. Ou bien tout li choisit plaider non coupable et puis il vient avec des moyens de défense solides, avocat vient avec des moyens de défense solides pour montrer que Palacios effectivement li pa gen rien pour avec ça reproché là. Jusqu'à date 4 février, hein, le
le palacios avec avocat yo présenté devant juge fédéral là, yo mandé report mise en accusation officielle. Yo mandé report de lecture officielle de deux chefs d'accusation ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à date, ni en Haïti, ni aux États-Unis, pas de yon moun qui de manière officielle inculpé dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Nous kabouke dit gen avancé ka fait. Nous kabouke dit la justice américaine a travaillé. Nous kabouke dit le dossier Jovenel Moïse li sous la bonne voie, li sous une bonne pente, etc., etc. Mais d'autant pour qu'on ait aucune inculpation qui fait, d'autant pour qu'on ait aucune mise en accusation qui fait pour dire oui, Palacios ou coupable, oui, et Rodolphe ou coupable, oui, et tel, et tel, y a déféré le devant au tribunal pour la juger. Pourquoi gagne un sérieux cap réglé? Est-ce que nous comprenons? Pourquoi gagne un sérieux cap réglé là? Donc, rendez-vous en pour 9 jours, rendez-vous en casse 4 mars avec Mario Antonio Palacios Palacios pour une audience qui fait pour yon connaît comment ça va le dérouler pour mise en accusation pour le fait de manière officielle. Déjà, Alfredo Izaguirre te getan fait connaît que Palacios li prépare pour le plaider non coupable. Donc, s'il plaide non coupable 4 mars qui venir là, qui ça pral fait? Pral gon procès pral ouvrir et pral gagner un avocat qui pral venir avec des moyens de défense solide pour montrer que Palacios pas de participer dans l'assassinat Jovenel Moïse. Puisque, à plusieurs reprises, Palacios li fait connaître que lui-même li pas connaît rien de dossier Jovenel Moïse, etc., etc. Et yo te vini, Colombien yo te rentre en Haïti, c'est pour yo te vini by VIP sécurité, etc. Là, paquet éléments de formation. Mais je dis en là, ce qui est certain, et avocat Palacios li vini confirmer, le Ariel Henry te fait comprendre, le Ariel Henry te fait déclaration, le tap bay et conférence de presse, le te dit que si États-Unis mandel nan présumé coupable Zayo qui nan pénitentiaire national, si yon mandel nan moun qui impliqué nan dossier Jovenel Moïse, yon ka remettre yon ba États-Unis, oui, très certainement, oui, et oui encore, avocat Palacios si confirmé que moun Zayo qui nan pénitentiaire national, le FBI a été rentré, li vin questionner quelques là-dedans yo, li vin questionner et plusieurs là-dedans yo. C'est non souci pour préparer terrain parce qu'effectivement, il y a des Colombiens, effectivement, il y a des Haïtiens-Américains, James Holland, Joseph Vincent Emmanuel Sano, il y a bien pour aller répondre question. Et tout bagaille ça yo, yo attend seulement 4 mars l'arrivé. Yo seulement attend audience qu'a fait pour Palacios pour yo connait effectivement est-ce que Palacios a décidé plaider non coupable ou bien est-ce que l'a décidé plaider coupable et puis pour reste processus pour yo fait parce que là nous fin présenter dossier Palacios selon éléments de formation que avocat Alfredo Izaguirre bay li évoque dossier Mario Antonio Palacios mais gen des détails qui extrêmement important sous chef d'accusation ça. En Haïti nous avons un code pénal, nous avons un code pénal qui là-dedans il y a trois groupes d'infractions, il y a contravention, il y a délit et puis il y a crime. Mais crime nous yo, infraction nous yo, c'est des infractions qui datent de très longue date. Moi si pas problème quoi code pénal nous gagne son code pénal depuis 1805 en bas ça. Donc il y a des infractions jodi qui dans code pénal là. Il des infractions si c'est pas en loi tant que sous kidnapping, sous enlèvement, séquestration, rançon. C'est loi qui été voté. C'est des lois qui été voté. Jusqu'à date, il y a ensemble de nouvelles infractions, ou ensemble de nouvelles infractions sous terrorisme, sous crime d'état etc. Mais ça n'a pas existé en Haïti. Ou pral wè infraction ça que États-Unis reconnaît avec et Palacios là deux chefs d'accusation ça retenu contre. C'est parce que aux États-Unis la loi pénale li en perpétuelle évolution. C'est parce que aux États-Unis gen moun k'ap pense, nous gen législateur k'ap pense aux États-Unis, mais en Haïti pa nou yo ki sa yo fè. Lè yo descend nan parlement, c'est ricané, c'est pou yo al pran al badi jounen, c'est fait macaque, c'est fait tintin, c'est allié avec
bandit avec drogue dealer, etc. C'est ça qu'il va régler. Mais il n'y a pas de travail de manière à ce que il marche avec évolution. Il n'y a pas de travail de manière à ce que pour marcher avec besoin population, pour marcher avec nouveauté qui gagne partout et ailleurs. Je dis, ok, imaginez-vous. Ou ap prend des séries de moun qui en cavale aujourd'hui après assassinat Jovenel Moïse. Là on regarde à vie de recherche, on mettait des quelques individus. Qui ça ouais reproché yo? Crime, assassinat, gagne on mettait vol à main armée, gagne on mettait vol avec effraction, gagne on mettait complot contre la sûreté intérieure de l'État. Mais pourquoi Jean Moyo dou ça son acte de terrorisme? Ou pourquoi j'aime moi en vie de recherche dans nèg sa yo dans monsieur dame sa yo qui participer dans assassiner Jovenel Moïse pour wè yo mettre terrorisme d'état comme si faut que législateur aller au-delà faut que monsieur parlementaire nous leur rentrer dans sénat dans chambre député faut que yo fait travail yo faut que yo fait travail yo nous même nous pas gain temps pour nous perdre là c'est ça qui fait nous au niveau de la justice haïtienne nous gon la justice qui à genoux nous gain tribunal juge tout monde corrompu tout monde c'est l'argent fait. Donc, au niveau des États-Unis, nous avons une date 4 mars arrivée. 9 jours encore là, date là privée, pour nous connaître dans quel niveau, dans quelle dimension mise en accusation Mario Antonio Palacios a fait. Et, il y a des démarches qui gagnent par bon côté, avocat Palacios, pour préparer des fausses clients là. Qui ça y a caillé? Qui ça y a eu? Je dis là, en Haïti, pour on moun confirmer que Palacios, il était là, il était participé dans tout le Jovenel Moïse, faut ta gagner soit et caméra vidéo, faut ta gagner en pointe, faut ta gagner en pile éléments scientifiques, faut ta gagner des preuves concluantes, des preuves matérielles qui ka justifier que Palacios était sur les lieux. Ou bien faut ta gagner témoignages, des témoins qui well. Est-ce que nous pensons aujourd'hui là l'autre colombien yo qui participait qui était là yo arrêté est-ce que nous pensons youn pral dénoncer l'autre puisque déjà yo dou c'est piégé au piégé est-ce que nous pensons colombien ça yo là qui dans pénitencier national là yo pral gagner yo pral gagner courage pour dire oui Palacios était là il était là 7 juin dans tout Jovenel Moïse ou bien Palacios pral longer droite sur l'autre colombien pour dire et tel était là dans tout Jovenel Moïse etc. Parce que qui s'acrive? Moun sa yo, c'est des mercenaires, c'est soldats, c'est moun qui entraîné, bien entraîné, pour résister à des, pour résister à des moyens de pression, pour résister dans n'importe situation, dans n'importe circonstance. Donc, monsieur sa yo, que vous volez, que vous pompez, que vous sautez, si l'idée est déjà faite, déjà pour tout le monde dit yo innocent. Et d'ailleurs, dans tout procès qui gagne, et d'ailleurs, les jurys n'ont procès, ils ont toujours dit, le doute profite à l'accusé. Si jury, si 4 mars, mise en accusation faite, Palacios décide de plaider non coupable, il plaide non coupable, il n'y a pas de procès fait. Les jurys qui l'a, si il y a des doutes, si jury a des doutes, sous culpabilité Palacios, si jury, si même jury mette dans la tête, ah, élément de poil ça que procureur américain que le présenté et yo pas suffisant yo pas suffi pour montrer que Palacios participer dans tous les Jovenel Moïse on va ça privé le doute profite à l'accusé depuis gain doute et rete n'a prêté n'a attendre que Palacios li lave de tout soupçon et que Palacios li sorti libre etc. Parce que depuis gain doute ou pas ka djou pral arrêter moun nan pral mettre en prison pral prononcer une sentence depuis gain doute ou pas ka condamner moun nan depuis gain doute seul soit ka fait c'est libérer moun nan et bien on garde réalité an. Donc nous pensons si Palacios pas de gagner des moyens de défense nous pensons si Palacios pas de gagner des réserves. Nous pensons jodi an la, avocat tap campé pour dire que Palacios décide de plaider non coupable. Plaider non coupable, c'est vendre liberté ou dès le départ, oui. Ou décider de plaider non coupable, c'est d'où dit, ok, je choisis plaider non coupable, et comme ou gen des éléments de preuve, ou d'où gen des éléments de preuve contre moi, vina avec you. Et si effectivement, procureur américain, il y a des éléments de preuve contre Palacios, des preuves concluantes, convaincantes, qui ka convaincu un jury. Par exemple, tu as gagné des images de vidéosurveillance côté que Palacios est rentré à Jovenel Moïse. Là, pas bien de l'eau pour laver Palacios.
Si procureur là t'a venu avec photo côté que en caméra te prend image par la chose qu'a rentré la cage Jovenel ou bien qu'a sorti la cage Jovenel. Là pas gien de l'eau pour laver par la science, pas gien de l'eau pour laver colombien yo et pas gien de l'eau pour laver nèg sa yo. Que t'es haïtien ou américain, que t'es James ou la Joseph Vincent, que t'es pasteur, comment pasteur, pasteur Sanon, Emmanuel Sanon, que t'es jodien là, l'opran, cerveau, présumé cerveau, assassinat Jovenel Moïse, Badjo Félix, il y a de très bonnes relations en même temps avec premier ministre de facto Ariel Henry. Moi, ça n'a pas bien de l'eau pour laver. Donc, c'est ça que fait jodien là, extrêmement important. Nous-mêmes qui en Haïti, faut que nous pas désintéressés avec dossier assassinat Jovenel Moïse. Faut que nous toujours été focus, faut que nous toujours veillé à chercher des éléments de formation parce que clair pièce maîtresse dossier là au niveau de la justice américaine, il parle l'autre monde que Mario Antonio Palacios Palacios. Puisque c'est lui-même, c'est premier monde qui pral c'est premier monde que mise en accusation a fait avec lui. Yo pral faire mise en accusation pour lui et c'est premier monde qui décide plaider non coupable. Donc imaginons lui plaider non coupable, procès l'ouvri, procès fini, gen doute sur culpabilité et au décider pour le libérer par la science. On garde avenir le colombien yo. On garde avenir haïtien ou américain yo. On garde avenir Ariel Henry, on garde avenir Félix Badjo. Donc c'est ça que fait en Haïti là nous obliger le plus vite que possible. Et m'a songé là, m'a songé et je vers les cabinet je vers les Moïse, yo té bay Ariel Henry, yo té bay yo té bay droit un tribunal première instance. Mais Bernard Saint-Ville, yo té bay 3 jours pour le mettre un nouveau juge d'instruction sur le dossier, en est pas fait. Donc si pas un juge d'instruction en Haïti pour prendre dossier en charge, qui pour continuer travail là, pour faire mise en accusation, pour faire inculpation de manière officielle. Ça, c'est un dossier côté que tout le monde a désintéressé. Ça, c'est un dossier côté que tout le monde prend le bail. Il n'y a pas gagné qu'à régler, pas gagné qu'à régler en Haïti. Et plus tant que passer sous dossier, plus tant que passer pas gagné mise en accusation qui fait, plus tant que passer pas gagné inculpation qui fait, c'est plus liberté nous bail nèg sa yo qui participer. Non faire complot pour tout les Jovenel, non faire complot, non mettre l'argent disponible à chercher mercenaires assassiner Jovenel Moïse, assassiner un président en fonction. C'est dit nous dit que oui en Haïti, pas le système judiciaire, oui en Haïti, pays en son savant, nous ka fait ça nous voulons, j'en nous voulons, j'en nous plutôt. Et le mal tellement, bah là, ça que le Jovenel Moïse est tellement flagrant. On peut rendre compte que situation ça n'a vive en Haïti en là. Jovenel Moïse, c'est pas seulement, ça que veut Jovenel Moïse, c'est pas seulement un assassinat. Parce qu'on essaye de comprendre des moches, on essaye de comprendre ce qui passe, ou pourquoi j'aime qu'à cerner, ou pourquoi pas comprendre rien là-dedans. Jovenel Moïse, au lieu d'un assassinat, Jovenel Moïse, c'est comme si son livraison à domicile qui fait, elle prend Jovenel Moïse, finalement, et puis ça s'arrête là. Tout bagaille fini. Tout bagaille fini. Et là, si on a Haïti, nous choisissons tout fait silence. Nous choisissons de quitter le système judiciaire, là, les corrompus, dans les pas grand café sous dossier. Aux États-Unis, imaginons le procureur, il n'a pas gagné des éléments, il n'a pas gagné des preuves à charge, il n'a pas gagné, il n'a pas gagné toute preuve qui a dit oui, Mounsa Odoja, oui, il est coupable, il n'a pas gagné assez de preuves pour le dire oui, et pas la science, il est coupable, il n'a pas gagné assez de preuves pour le dire et le le extradé et John Joel Joseph pour le oui, moun sa yo coupable. Donc, c'est comme si son procès, n'a pas de procès, n'a pas de tribunal spécial, n'a pas de commission d'enquête, etc. C'est comme si c'est temps n'a perdu. C'est comme si c'est temps n'a perdu alors que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ou même qui cabaille tête ou exactement sauvé, c'est ou qu'on sauvé pour tête ou. Alors que la justice haïtienne, c'est nous même qui mieux placé pour une belle justice. C'est nous même qui mieux placé pour ne culper nèg, c'est nous même qui mieux placé pour ne sanctionner nèg. Mais puisque la caille nous, justice n'a traîné, puisque la caille nous, même nèg ça ou qui participait dans complot, qui participait dans mettre projet campé pour assassiner Jovenel Moïse, c'est ou même qui gagne contrôle la justice, c'est ou même qui gagne contrôle ministère, c'est ou même qui gagne influence et sous les diplomates, dans les commissions, etc. Donc, c'est normal, je dis là.
C'est normal pour trouver une situation côté que ou pas qu'on ni tête ni pied ni que dossier Jovenel Moïse ou seulement rester là ou regarder même Jacques tout on attend la manne faite par vos côtés États-Unis. Mais États-Unis ni même tout dossier li gen limite li dossier gen limite li moyen de défense c'est des limites. Imaginez chaque monde, chaque accusé dans le dossier Jovenel Moïse, yo même yo gen liberté soit pour yo plaider coupable ou pour yo plaider non coupable. Yo gen liberté pour yo faire deal et non si yo pli deal sans fond ou pas oublier. Gen entente qui ka toujours passé. Gen accord qui ka toujours passé. Gen information que on moun gen aujourd'hui a ka décider devant le procureur là, li diminuer sous peine, il diminuer sous sentence toutefois s'il décide plaider coupable. Donc tout ça c'est des éléments, c'est des plus pour nous prendre en considération. Et jodi an là, nous la primature pas gagne aucun intérêt dans dossier Jovenel Moïse, toujours doit exécutif pas mêlé dans pouvoir judiciaire. Alors que même exécutif là jodi an, c'est lui-même qui a influencé la justice, c'est lui-même qui besoin, c'est même Ariel Henry qui besoin prendre contrôle cour de cassation sous prétexte que la cour de cassation est dysfonctionnelle. Mais date cour de cassation est dysfonctionnelle. Nèg yo bay jodi an la pour montrer que et Ariel Henry il gen pouvoir, il gen tout droit pour le mettre juge, pour le nommer juge alors que le pas fait office de Sénat de la République. Donc on pral connaît que on pral comprendre là que Ariel Henry tout ça nèg yo a fait c'est distraction. Yo vini yo joie avant jodi an la pour yo faire oublier dossier Jovenel Moïse, hein? Pour yo faire oublier te Ariel Henry qui participer dans tout Jovenel Moïse. Tout nèg a créé distraction. Nèg a créé distraction en dedans pays et nous-mêmes nous prenons pied ça. Gen des besoins primaires, des besoins basiques que population haïtienne nan gagne là. Nous pensons c'est résoudre, je pas te ka résoudre li. Problème qui gagne dans la justice ça, nous pensons c'est résoudre, je pas te ka résoudre li. Ou regarder ancien juge d'instruction Gary Aurélien qui t'a traité de ce Jovenel Moïse en côté li là. Ou chercher le fer noir comme baleine. Parce que le gars la gueule, il y a l'aller, il quitte pays. Alors que, il y a deux plaintes formelles, il y a deux plaintes officielles que vous portez contre lui. Oui, il y a deux plaintes de manière officielle, de manière formelle, vous déposez contre Gary Aurélien. Dans quatre dossiers Jovenel Moïse. Et m'a songé Gary Aurélien te dit lui-même et la justice, l'éthique pas bal droit pour le porter plainte contre mon en diffamation. Alors que je dis ou te dit ou pas de participer dans prendre l'argent dans même monde ou pas de participer dans corruption malgré mon a plomé non y a cité non RNDDH fait rapport ou dit que ou pas gain droit pour aller porter plainte ou pas gain droit pour relayer la justice. Mais jodi an de manière officielle ou gain Olidamus qui porter plainte contre ou gain ancien secrétaire d'état sous Jovenel Moïse qui porter plainte contre pour corruption. Parce que j'ont t'a mené dossier Jovenel Moïse tout le monde était en bas, tout le monde était ouais c'est l'argent t'a fait ou fait abus de pouvoir, ou fait abus d'autorité. Jodi an la qui sont prêts à répondre. Qui sont prêts à répondre à la justice? Bon, pas même qu'à répondre à la justice, parce que, ou geta la gué, puis ou geta allé. Tout ça, c'est pour comprendre que dossier Jovenel Moïse, gen moun qui l'a dans le même, qui pou fait, machination, gen moun qui l'a dans le même, qui pou fait diversion, gen moun qui l'a dans le pour distraire. Et nous-mêmes, nous pas là pour nous ni faire machination, pour nous ni distraire, nous là pour nous aider à comprendre, pour nous bas information, pour qu'il y ait en haleine de tout ça qui a passé. C'est ça objectif là, c'est ça idée. Et là, on pral comprendre. On pral comprendre que, cour de cassation en Haïti, nèg yo besoin prendre contrôle li pouvoir exécutif là Ariel Henry besoin prendre contrôle li c'est pas non souci pour rétablir et fonctionnalité cour là c'est pas vrai du tout non cour était dysfonctionnel bien longtemps cour là était dysfonctionnel alors que li te gen 12 magistrats là-dedans li te gen 12 juges tout magistrat te siégé mais cour était toujours dysfonctionnel pour qui ça dans pénitentiaire nationale gen détention préventive prolongée ça. Pour qui ça toute l'autre prison yon gon paquet prisonnier qui en détention préventive qui pas jamais passé devant juge qui ou le cour de cassation pi grand institution judiciaire en dedans pays qui ou li li là pour faire appel de décision alors que jodi là ou gen tribunal tribunal première instance leur siège attribution criminelle correctionnelle etc. ou pas ouais qui ça fait travail pas fait. Pas gen assise criminelle qui fait, pas gen audience qui fait. Pour qui ça? Parce que magistrat aussi a fait par ou a réglé. Tout nèg rentre dans politique, tout nèg besoin intérêt politique, tout nèg gen intérêt tis ami a défendre.
Mais ça nous gagne aujourd'hui en un pays comme pouvoir judiciaire. Et puis dans le dossier Jovenel Moïse là, puisque tout le monde là, tout le monde focus sur les États-Unis pour la justice, et puis la caille par nous-mêmes, nous pas préparer justice, c'est normal. C'est normal pour l'exécutif là besoin de prendre contrôle. C'est normal pour prendre contrôle parce que tôt ou tard, faut bon juge d'instruction qui inculpe le monde. Faut bon juge d'instruction qui inculpe le monde, et le monde s'arrête inculpé, il y a bien pour prononcer sanction contre eux, et il y a bien pour faire appel. Et non seulement ça tout, aujourd'hui, nous besoin cour de cassation qui pour protéger intérêt quelque monde qui dans exécutif là. Parce que dossier Jovenel Moïse le pral gen sanction pral prononcer que ce soit dans monde qui était financé. Le pral gen des mesures conservatoires qui prend là sous bien quelque monde. Yo pral besoin cour de cassation. Yo pral besoin cour de cassation pour casser décision pour yo. Ah bon? Nèg yo prudent, nèg yo calculer tout bagay, nèg yo faire contrôle tout bagay. Donc c'est nous-mêmes qui pour alerter population, pour informer, pour nous dire mais qui piège nèg yo paré, mais qui ça a préparé pour même pour qu'on koto garde. Pour même pour qu'on koto garde dans dossier. Mais c'est nous-mêmes qui fait bekate, Zesof Moringa pour tes solutions à pour nous. Gen zouti si yon pou mal ka permet ou allonger peni ou bal longue ou vle pou moun ou vle. Gen ban si yon comprimé ka permet ou gen bon jan andiran sexuel. Wow! Pour plus information, rele nan 514-886-9766. Ou bien, visite site la, www.zesofmoringa.com. Depi le map utilize pou mal gen zouti ak comprimé gen ban, mesdames, c'est mariage seulement y'a demandé. L'autre dossier est extrêmement important. Nous tournons là après pause Moringa et à chaque fois pause a fin passé, publicité a fin passé, nous toujours invité public là, nous toujours invité au même cap quatre vidéos qui gain problème et pour ta commander un produit, pas hésiter fait ça. Gain outil, gain bonne produit là, c'est pour nous, produit là, c'est pour aider nous pour solidifier relation nous parce que gain bagaille, nous besoin pour relation marcher plus bien, pour relation marcher plus soit plus douce, nous obligé utiliser produit, OK? Bien. Primature prend décision pour yon rappeler policier, yon mande tout policier qui était à la disposition de Claude Joseph pour yon rentrer dans base. Machine qui était en bas derrière Claude Joseph remettre-les. Tout privilège ça que Claude Joseph t'a joué en tant que ancien premier ministre, en tant que ministre des Affaires étrangères, l'y perdu tout. Mais bon débat qu'a fait là autour de statut Claude Joseph. Est-ce que Ariel Henry li gagne droit, est-ce que Ariel Henry jodi an la, est-ce que primature li oblige ou te oblige retirer privilège sa yo nan men Claude Joseph? Et privilège sa yo Claude Joseph te gagne, est-ce que c'est en tant que ancien premier ministre te gagne yo ou bien comme ancien ministre des Affaires étrangères? Parce que faut nous honnête, gon chronologie pour nous suivre. Sous Jovenel Moïse, Claude Joseph li te premier ministre, c'était un ancien premier ministre. Jusqu'à l'assassinat Jovenel Moïse, jusqu'à 20 juillet, Ariel Henry monté sous pouvoir, Claude Joseph perd du statut premier ministre. Claude Joseph vient seulement au ministre des Affaires étrangères. Maintenant, machine ça, le policier ça, il était à la disposition, qui était là pour protéger, pour sécuriser, etc. Est-ce que Claude Joseph estime c'est en qualité d'ancien premier ministre qui était gagné ou bien est-ce que c'est en qualité de ministre des Affaires étrangères qui était gagné? Ça, c'est l'autre débat. Qui ça qui gagne aujourd'hui? Nous, et Jovenel Issio, yo fâché, yo furieux, yo furax. Monsieur, y a revendiqué, yo dou, qu'on tentative d'assassinat que, et nègre là, y a planifié contre Claude Joseph. Qu'on, nègre, parce que y a besoin de tuer Claude Joseph, c'est parce que y a besoin d'assassiner Claude Joseph, j'ai assassiné Jovenel Moïse, qui fait Ariel Henry, lui décider de retirer machine, de retirer sécurité, etc. Est-ce que ça, on part de vérité là-dedans? Nous connaît comment politique fait en Haïti. Nous connaît comment nèg yo pas joué avec dossier Jovenel Moïse là. Et d'ailleurs, tout le monde qui campait en face exécutif Samuel là, tout le monde qui campait en face équipe et Ariel Henry allié dans cadre dossier Jovenel Moïse, ou risque payer sa chair, ou risque payer sa chair. Mais décision que primature prend et contre Claude Joseph là, ça c'est une décision que et Ariel Henry avec toute primature, monsieur calculé. Ça son tape
et ça plus ça plus comptable plus pire comptable parce que bon nous on va être planifié bien longtemps pour Claude Joseph parce que bon nous Claude Joseph pour une première fois lui entre en rébellion il entre depuis le Claude Joseph ministre des Affaires étrangères lui en rébellion ok il a révoqué Claude Joseph il a remplacé le par Genius Claude Joseph lui a allé l'a rencontré Louis Amlago secrétaire général OEA. Ariel fâché, Ariel estomaqué, elle pousse con, etc. Nous, elle saute si note, lui recadre, lui salma go. Nèg yo montre yo fâché. Yo montre yo dou Claude Joseph, je m'en émission, yo pa gen qualité, yo pa gen nul doigt pour yo faire des rencontres et des rencontres nan non peut pas ici, nan non pays. Alors que c'est pas de ça que t'es fait, non, pas de faire nan non pays, non. Yo te fait comme des citoyens ici que t'as rencontré avec le secrétaire général ou ya. Après quelques temps, qui ça y fait? Même Jovenel Isaïe encore qui est Claude Joseph, qui est Benfon Claude, qui est Rockefeller Vincent, y a rencontré secrétaire général Nations Unies. Donc, si on montre déterminé à chaque prise de parole, à chaque rencontre, à chaque point de presse, soit bail, ou parler de Ariel Henry, ou taguette Ariel Henry, ou tacle Ariel Henry, Ariel Henry participe dans tuer Jovenel Moïse, Ariel Henry, faut lui retirer dans notre pays, faut le mettre à la disposition de la justice. Ou pas, Ariel Henry t'a gardé au danger. Donc, Ariel Henry, t'es planifié, mais il t'es planifié, bah, ça bien longtemps pour Claude Joseph, mon cher. C'est jour que peut arriver. C'est moment pour arriver, je dis en yo fait li, et on pourra le comprendre que, on pourra le comprendre Claude Joseph, si, li te réfléchi, si il te déterminé vraiment pour te mener au combat contre Ariel Henry, contre Vanze Maré, je dis en là, li pas même quitter si Ariel Henry prend décision pour retirer privilège à yo. En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, t'as pour nécessité, moi-même, quand en face à Ariel Henry, m'a défendu Jovenel Moïse, m'a cherché justice pour Jovenel Moïse, matin, midi, soir, m'a participé dans tout Jovenel Moïse, matin, midi, soir, m'a dit que faut qu'on mette à la disposition de la justice. Bon, m'a décidé de me remettre primature, ni que les machines, m'a remettre primature, tout avantage, tout privilège que m'a joué. Fini me laver même ciel et puis qu'on y a ou préparo pour bataille ou pas qu'à bataille contre un gouvernement ou pas qu'à bataille contre un pouvoir et pour prétendre que tout privilège ça yo ou t'as joui tout privilège ça yo t'es gagné à la disposition ou pensez que nèg yo t'as quitté et jodi en leur retiré ou a fait tweet et comme si même ou même consciemment ou inconsciemment que vous comprenez, que vous ne comprenez pas, ou participer dans la distraction, participer dans le jouet Ariel Henry à mener. Ariel Henry fait, il connaît que pertinemment bien, ou pral parler. Il connaît que pertinemment bien, ou pral prendre micro la presse, ou pral dénoncer. Et tout regard, tout j'ai sorti sur Ariel Henry, ou pral fixer sur vous. Tout j'ai sorti sur Ariel Henry, tout money get you à mener là, tout l'argent, vous êtes débloqué, vous êtes gaspillé pour soi-disant carnaval fait là. Tout Dieu, ça va lui fixer sur vous, comme un monde qui a crié pour privilège, comme un monde qui a crié pour avantage que le perdu. Donc, je dis là, que vous dites c'est intimidation, que vous dites c'est machination politique, que vous dites c'est tentative d'assassinat, l'ivine faut paraître qu'on t'y crie. Et, très sincèrement, Claude Joseph, ou non, situation pour ressaisir ou. On a situation pour ressaisir. Ou a bataille contre un nèg jodi on dit participer dans touye Jovenel Moïse président. Ou campé en face au premier ministre de facto ou dit qu'il participait dans mettre projet qui gagne de très bonnes relations avec principal cerveau assassinat Jovenel Moïse. Jodi en là ou nèg yo décidé yo prend yo retirer privilège ou ja. Ou pas rien pour faire tweet pour plaigner, ou pas rien pour faire tweet pour parler en pile non. Faut qu'on connaisse nos batailles, et nos batailles-là, n'est pas de bagarre qui arrive. Qu'on connaisse nos batailles, on fasse avec des séries de nègres, aujourd'hui, là, qui pas de peur, mettez complot campé pour assassiner Jovenel Moïse. Faut attendre que toute bagarre qui arrive. Contre vents et marées, faut préparer. Contre vents et marées, faut gonfler pour y'a tout, pour batailler nègres, yo. Yo prend machine, ou, ok, pas de problème. Cherche une machine blindée. Yo prend sécurité ou cherche des gardes de sécurité paye yo. Sécurité privée paye yo et puis that's it. Le ça, imagine ou te réagir comme ça. Ou t'as intimidé Ariel Henry, oui. Jodi an la ou quitte Ariel Henry à tenu, ou quitte Ariel Henry intimidé. Au contraire, si tu fais silence, si tu continues vers autour. Ariel Henry, il t'a. Il n'a pas bien compté pour le mettre col. Parce que meilleure façon, meilleur moyen de défense ou, c'est attaquer.
Et je dis en là, ou quitte Ariel Henry lui-même, il atteint nous, non seulement il atteint nous, il atteint tout entourage Jovenel Isio. Donc si nous quittons, c'est comme ça Ariel Henry, la marque terrain, la marque plat, la marque pas sous place, sous nous, c'est sûr que bataille nous dit comme Jovenel Isio n'a mené pour Jovenel Moïse et une justice, n'a mené bataille pour Ariel Henry, mettre à la disposition de la justice, ben ça, c'est un appel du comme ça. Parce que nous pas de quitter Ariel Henry, ouais, faiblesse, non. Nous pas à nous quitter Ariel Henry, ouais nous attacher à pouvoir, nous remettre privilèges. Non. Si nous faisons bataille, on nous fait bataille. Et bataille, ça alimente des nègres vents. Il y a des nègres qui peuvent crier pour privilèges, pour avantages. Ok? Ressaisis-nous, monsieur. Donc là, nous avons un dossier. Mario Antonio Palacios, Palacios, ça n'a pas suivi. Nous avons un dossier. Et Rodolphe Jean n'a pas suivi. Nous avons un dossier Samir Randal n'a pas suivi. Et il y a seulement, et jeudi en 23 ou 24. Jeudi en 23. Et nous avons un dossier John Joel Joseph Lantou n'a pas suivi. Jamaïque a débuté en mars. Donc nous avons un dossier dans et assassinat Jovenel Moïse que nous obligés d'être focus, nous obligés step by step, étape par étape, pour nous garder comment tout bagage déroule, pour ne pas mêler bagage, pour ne pas entremêler les dossiers. Vous comprenez? Et donc là, m'banan Jovenel Isio crié, n'a bataille contre un nèg qui a de très bonnes relations avec un assassin, un criminel, Badjo Félix, faut nous préparer nous pour n'importe saleté. Faut nous préparer nous. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays ou, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2h, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle épée, nous bras le fait débat. Même Yannick l'en même voix.